Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo de comparaison commentée sur Xenoblade Chronicles. Donc comparaison entre quoi et quoi, entre avec le texture pack et sans le texture pack principalement, mais je vais quand même vous montrer d'autres petits trucs, d'autres petites améliorations qu'on peut faire dans le jeu. Donc là tel qu'il est, bah, c'est la version Wii mais en HD. Donc en 1080p et puis avec résolution interne 4K. Donc ça simule la 4K en gros. Parce que oui, j'ai pas un écran 4K. Donc voilà, après le copie à l'EFB, qu'est-ce que c'est? Ça c'est ça rend souvent, là on le voit pas trop. Mais je vais vous montrer après, il faut toujours laisser cocher parce que sinon ça rend un truc tout granuleux et tout moche. Donc là il y a une grosse différence dans ce menu titre, enfin dans le menu principal, quand on désactive le brouillard. Voilà. Déjà, ça désactive un peu le ciel bleuté et finalement ça donne quand même un effet sympa. Voilà, c'est tout. C'était l'intro un peu inutile. Continuer, donc j'ai une partie voilà où j'ai fait 24 heures de jeu. De toute façon, j'ai plus joué sur Dolphin que sur Wii. Sur Wii, j'ai joué à peu près 10-15 heures. Je sais plus trop exactement. C'est un jeu que j'ai quand même lâché assez rapidement parce que il y avait plein d'autres jeux à côté à cette époque-là. C'était un peu compliqué. Donc là je vais pas vous montrer cette zone parce qu'elle est pas terrible. Mais je vais vous mettre la zone la plus simple. Voilà, jambe de Bayonis. Gore Plain. Parce que cette zone est vraiment... c'est la meilleure zone pour pouvoir montrer les différences parce qu'elle est immense. Puis elle est plutôt jolie. Donc là vous avez la version Wii. Comme elle est de base, si elle était en 1080p, si elle était en HD. Je vais mettre à peu près ici, là vous voyez une texture assez grossière, c'est ce qu'on voit souvent sur Wii, dans ce Xenoblade Chronicle. Hélas, mais grâce au texture pack, là, les textures sont vraiment bien mieux. Voilà. Après, de loin, est-ce que c'est aussi bien? Alors, je vais le voir tout de suite. Ça rend très bien, moi, je trouve. Enfin, là, c'est sans le texture pack. Et là, c'est avec. Et sans les options en plus, évidemment. Parce qu'il y a quelques options qu'on peut mettre en plus que j'avais mis lors de... Lors de la comparaison entre la version Wii originale et la version Dolphin. Je vous mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas vu ce montage. Voilà, quand on désactive le brouillard, on voit bien plus loin. En fait, c'est la distance d'affichage, hein, finalement, le brouillard. Parce que sur Wii, on a un peu du brouillard, même si bon, le jeu est quand même a une très bonne distance d'affichage sur Wii. Voilà, là vous voyez par exemple l'épée de Bayonis, si je ne m'abuse. Donc l'un des géants sur lequel on se balade. Et si on enlève ça, voilà, c'est parce que là on est très loin. Donc là oui, voilà, elle fait ce qu'elle peut. Hein. C'est une texture... pas très chargé quoi. Parce qu'en même temps c'est très loin. Donc c'est pour ça que on a sur Wii on a le cache misère. Voilà. C'est le cache misère, le brouillard. Ce qui est beaucoup utilisé sur pas mal de jeux sur console. Ah, surtout la différence entre PC et console, c'est aussi c'est la distance d'affichage maintenant quoi. Surtout. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y a aussi l'écran large 16/9, ça c'est juste pour les jeux de GameCube.
Parce que les jeux de GameCube, ils sont en 4 tiers. Parce qu'on était sur télé cathodique. Puis voilà, l'éclairage par pixel, c'est quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, quand on met fond lighting, parce que l'éclairage par pixel, ça change pas grand chose. On va enlever le casque de Chul parce que c'est assez moche. Et je vais vous montrer qu'ils ont retravaillé aussi les textures sur les personnages. Donc, ils ont retravaillé par exemple les cheveux de Chulk. Là, c'est ce qu'on voit vraiment sur la Wii. Et vous allez voir avec le texture pack, c'est. Voilà, bon, sur les autres personnages, c'est un peine amélioré. Mais ils ont déjà fait aussi de nouvelles images. Ils ont chargé de nouvelles images HD. Bon, ça c'est un peu optionnel. Et voilà, les cheveux, c'est un peu les cheveux de Shulk qu'on a dans Xenoblade, qu'on a dans Super Smash Bros. For Wii U. Ils sont comme ça. Le jeu qu'on est obligé d'avoir sur Wii U, évidemment. Ah, si vous avez pas ce jeu-là, honte à vous. Donc, encore Mario Kart 8, je pourrais comprendre. C'est bon, c'est pas le meilleur Mario Kart. Mais Super Smash Bros. For Wii U, mon dieu, mais... Voilà. Il tue tout. Et il est aussi bien que Melee, donc voilà. Ça veut tout dire. Donc, on est un peu parti en n'importe nawak. Donc, aussi, il y a le post-processing. Amélioration, ça sert à rien. J'ai rien touché, donc il n'y a rien de mis. Sinon voilà, ça c'est surtout pour les ombres, sachant que bah ça sélectionne un peu n'importe quoi, donc 16 bits, voilà, c'est qualité Super NES. Ah, pour les fans de la Super NES, c'est magnifique. Sinon je vais vous montrer, bah là il n'y a pas de gros changement dans Gore Plane. Avec les ombres là. Je vais vous montrer ça dans une autre zone où on voit beaucoup plus la différence. On va essayer de le faire le plus court possible, mais on est déjà à 8 minutes presque. Donc bon, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à faire des vidéos courtes. Et donc voilà, sinon les textures qui ont été retravaillées, c'est la texture du chemin, les textures, les herbes, enfin l'herbe. Oui, les images, les screenshots, hein. Les sprites, et puis sauf que là on est sur Wii, je vais vous montrer la différence. Bah évidemment les textures des falaises, c'est ça qui a été principalement revu, et puis quelques textures sur les personnages, voilà, un peu changé, mais bon, un peu amélioré, mais voilà, c'est, y a pas de gros changements. Voilà, là je mets vous voyez le chemin qui a été refait, et puis les herbes, c'est exactement la même texture mais en résolution beaucoup plus poussée, beaucoup plus élevée. Parce que sur Wii on est à 480p alors que là c'est en résolution exactement, je crois que c'est du 800x800. Mais bon, après ils mettent eux-mêmes que c'est du Ultra HD, donc bon, ils se contredisent un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, ça rend quand même bien mieux. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré dans cette zone. Ouais, comme vous pouvez le voir, ils ont aussi refait le menu à leur sauce, parce que tout ce qui est écriture comme ça, tout ce qui est image fixe sur Dolphin, et bah, si on met en HD, même si on met en 1080p, même si on met en 8K, en n'importe quoi, ça changera rien, car de base ça nous mettra toujours la version Wii de base. Vous allez voir. Ah, ça c'est secondaire. J'ai envie de vous montrer, voilà. Voilà, là c'est vraiment sur Wii, c'est net comme ça, voilà. Donc je vais vous mettre la meilleure zone pour les ombres, et puis après on va se quitter. Et je vais faire un petit montage sur une scène assez culte du jeu. Le moment où, bon, c'est un petit spoil. Le moment où Shulk il a une vision, et sa vision lui dit qu'il peut améliorer les pouvoirs de Monado. Voilà.
C'est pour ça qu'elle a cette forme là, Monado, voilà. Monado, l'épée, évidemment. Pour les incultes. Bon, alors, graphisme, on va... Voilà, post-processing. Donc, Dolphin FX, par moment, sur certains jeux, ça rend vraiment quelque chose de pas mal, mais sur Xenoblade, vous allez voir, c'est pas terrible. C'est un peu vert, voilà. Sur Zelda, ça rend un effet plutôt sympa, même si, bah, finalement, je préfère quand même le truc basique, hein. Sans les ombres, enfin garder les ombres de la Wii, tout simple. Ishiruka FX, ça c'est le meilleur, lui c'est le meilleur. Là vous voyez, il corrige un peu les ombres, c'est un HBO tout simplement. Donc qu'est-ce que l'HBO? Bah je sais pas trop expliquer, c'est en gros ça amplifie les ombres et, pour rendre un peu le jeu un peu plus joli quoi. Voilà. Donc on va enlever ça, sachant que ça faut quand même avoir un minimum un processeur 4 coeurs pour faire ce genre de choses. Enfin 2 coeurs plutôt. Moi j'ai un 4 coeurs. Et c'est pas ce qui est recommandé au mieux en plus. Il faut avoir un processeur haut de gamme. Moi j'ai un processeur on va dire gamme moyenne. Entre gamme moyenne et haut de gamme. C'est un i5 pour tout vous dire. Voilà, je sais pas si je vous ai expliqué forcer filtrage de texture, disable texture, parce que ça, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes. forcer filtrage de texture, et ben ça permet d'améliorer un peu les ombres, l'ombre des personnages et tout, pour qu'elles soient moins pixelisées, en cochant les deux évidemment. Et je pense que ça filtre aussi les textures, mais bon, c'est pas grand chose. C'est un petit bonus vite fait, voilà. Quand on désactive l'ombre, le brouillard. Là, on voit bien plus loin, évidemment, aussi ici. Même si là, ça donne un effet sympa, le brouillard, donc finalement, autant laisser. Hein. Voilà, là, l'éclairage par pixel, j'avais laissé, j'avais même plus. Mais voilà, l'éclairage par pixel, là, je le fais. Là, on voit pas de grandes différences parce que là on est en dessous les arbres, parce que ce qui est assez bien foutu c'est que quand on voit le ciel, quand il y a la lune qui passe, et ben on voit vraiment la lune qui éclaire le sol en fait, et c'est ça en fait, ça amplifie cet effet là avec ce truc là, le fond lighting. Par contre son point faible, bah, c'est que ça donne un effet par contre un peu plastique à nos personnages, donc bon, là on le voit pas trop. Mais sinon, lors des cutscenes, je pense que vous l'avez vu lors de la comparaison entre la Wii vs Dolphin. Bah d'un côté c'est bien, quand on voyait ça sur les géants, ça rendait un effet sympa parce que c'est quand même des trucs métalliques quoi on va dire. Ou par exemple sur l'épée, la Monado, ça rend un effet sympa. Et par contre sur les personnages, voilà quoi, c'est des êtres vivants quoi, c'est pas des machines. Donc voilà, ça fait bizarre. Et sur certains jeux, par exemple, Zelda par exemple, et ben on n'a pas trop cet effet. Zelda voilà est vraiment bien fait à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est grâce au texture pack qui enlève cet effet. Je sais pas comment ils ont fait, mais le texture pack de Zelda, c'est un truc faramineux, c'est incroyable. C'est incroyable, de toute façon je vous le montrerai, mais. Parce que je sais plus si je vous ai expliqué, voilà, le LUD Custom Material Maps, ça permet de faire de rendre le mode spécular. Donc qu'est-ce que c'est le spécular? Quelque chose qui a été utilisé à partir, je dirais, de la Xbox, mais qui est beaucoup plus visible sur la Xbox 360 et PS3 par la suite. C'est assez compliqué à expliquer. Par exemple, je sais pas, il y a... c'est le reflet du soleil, par exemple, sur une texture. Donc, par exemple, vous avez une texture, vous avez plusieurs cailloux,
vous avez plusieurs comme le chemin que je vous ai montré tout à l'heure, et vous avez, il y a carrément les ombres, il y a carrément les ombres dessus qui ont été faites, les ombres que provoque le soleil quoi, finalement, l'éclairage. C'est hyper dur à expliquer comme ça, mais en regardant on voit vraiment la différence. Donc là c'est juste pour vous montrer la texture de l'eau aussi qu'ils ont refaite, voilà. Là c'est telle qu'elle est sur la Dolphin, texture pack. Et telle qu'elle est sur Wii. Voilà, c'est quand même différent. Après, Fong Lighting, on va enlever Fong Lighting. Là vraiment on est sur Wii, voilà. Sur Wii et en 4K. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Voilà, et puis aussi le point faible de l'HBO que je vous ai montré tout à l'heure. Des fois ça rend les écritures floues, presque illisibles. Donc c'est des petits bugs, donc le truc est pas totalement fini. Parce que bon, là je suis sur une version de Dolphin pas complètement achevée, on va dire. Mais bon, c'est la meilleure version pour pouvoir charger les textures et avoir cet effet spéculaire aussi. En tout cas, qui est beaucoup plus utilisé dans Zelda, qui est très impressionnant. On a vraiment l'impression de jouer à un jeu de toute nouvelle génération, quoi. Zelda, c'est vraiment incroyable. Et puis dans ce Xenoblade, franchement, le refaire, enfin, y jouer dans de meilleures conditions, voilà, c'est Dolphin est parfait pour ça. Rien que déjà y jouer comme ça, la version Wii de base, comme vous pouvez le voir, c'est quand même très joli. En 4K, en 1080p, vous voyez que la Wii, finalement, si elle pouvait faire de la HD, elle serait pas largement au-dessous de la PS3 et 360. Après, si au niveau quand même de la modélisation des personnages et tout, il y a quand même moins de polygones et tout, mais à part ça, ça rend quand même très bien. Et puis voilà, avec les textures, là, je vous montre vite fait, l'arbre a été, voilà, c'est... Là, ils ont fait les ombres, par exemple, sur cette texture-là. Et un peu... ils ont un peu rajouté de la verdure sur l'arbre, hein, ça rend un effet plus joli. Voilà un peu le lierre en fait. Et puis voilà, ah, que ça sert à rien, j'ai touché à rien. Ça c'est plus pour pouvoir mieux faire tourner le jeu si le jeu ne marche pas terriblement. Voilà, et puis le FB, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, ça rend un effet complètement dégueulasse. Voilà, c'est pour ça qu'il est toujours coché, quoi. C'est le truc qu'il faut pas enlever. Il faut pas décocher. Donc voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout montré. Je vous ai à peu près tout expliqué avec mes mots, donc voilà, c'est pas très bien expliqué, hein. C'est un peu Freestyle Land. Mais voilà, pour ceux, voilà, qui ont le vrai jeu sur Wii et qui veulent y jouer sur Dolphin pour avoir de meilleurs qui l'ont pas fini peut-être sur Wii et qui veulent le finir sur Dolphin sur PC, voilà, je pense que je vous ai un peu aidé, on va dire. Je vous ai un peu donné envie de jouer sur PC. Mais voilà, je pense que c'est tout, je vous ai à peu près tout montré. Pour vous donner une petite info à la fin, le Xenoblade Chronicles est presque introuvable sur en téléchargement, évidemment, parce que c'est quand même illégal de le télécharger. Mais moi, vu que j'ai une version de base, et ben je l'ai dumpé. Alors qu'est-ce que dumpé ? Dumpé, c'est extraire un fichier ISO. Le fichier ISO
qui est installé dans le CD du jeu. Le fichier ISO, en fait, c'est ce qui permet de faire marcher le jeu. C'est un format image. C'est format image, le fichier. Et ce qui permet, voilà, de faire marcher le jeu comme si c'était une, la ROM, quoi. Pour, quand c'est un jeu en cartouche, on appelle ça une ROM. Bah là, c'est un fichier ISO pour les jeux sur CD, voilà. Moi, je suis pas un spécialiste là-dessus. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien trifouiller dans les logiciels et tout, voilà, Dauphine, hein, est fait pour vous. Et puis, il est pas trop compliqué, hein, il marche hyper bien. Franchement, c'est un logiciel, un émulateur incroyable. Contrairement à l'émulation sur PS2 qui est pas terrible, mais là franchement l'émulation sur GameCube et Wii, il est au top. Presque tous les jeux marchent, 90% des jeux marchent vraiment bien dessus si vous avez une bonne config hein, en même temps qui suit avec. Voilà, après vous avez même une notation sur le côté, vous voyez. Et ils mettent que le jeu ne tombe pas parfaitement sur avec Xenoblade, mais bon, vous voyez, 4 étoiles sur 5, ça donne ça quoi. Après oui, des fois quand on met le texture pack, il y a quelques fois des textures qui s'en vont. Et c'est assez rare. Surtout pendant les combats, mais bon après c'est vraiment assez rare. Et ça c'est parce que c'est des textures que j'ai téléchargées compressées en fait. Parce qu'on peut télécharger les textures non compressées, par contre le jeu rame sur les textures non compressées. C'est, je pense qu'il faut avoir un PC de la NASA quoi. Donc du coup puis j'ai vu la différence, il y a aucune différence, hein, c'est compressé mais il y a aucune différence. Juste que le jeu est fluide avec les textures compressées, voilà. Ça demande beaucoup moins de ressources. Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'arbreur pour de nouvelles aventures. Je vous ferai peut-être un montage, voilà, de 2 minutes sur la différence entre avec le texture pack et sans le texture pack. Voilà, sur ce, je vous dis à l'arbreur. OK、ちゃんと動くみたいだな、俺の言う通りだろ。はいはい。なんだ、故障か。いや、違う。この感じは。あ、こいつ。なんてしぶといの。やるしかない。方法だとしてモナドが引きそうだ。あのゲームはスピードだ。ストリーム A ソードパイル。心が騒いできた。これよし。
真実はお前の力で探し出しな。真実？そうよ。俺はこの体になっていろいろと知ることができたんだ。案外こういうのも悪かないぜ。この体になった、どういう意味だ？じゃあな小僧、あばよ！ゾード！危ないぞ！茶色い奴は倒した。これでコロニーシックスの人たちの仇は撃てたな。ええ、ジュース！カルナ、よかった、気がついたのね。ここはコロニーシックスのそば。シュルクたちが倒してくれたの、あいつを、みんなの仇を。そっか、ごめんなさい、シュルクさん、ラインさん。僕の身勝手な行動で迷惑をかけてしまって。いいって、気にすんな。みんなの仇取れただろ。はい。でも、僕らの仇、あの黒い顔つきは、ここにはいなかった。なあ。果たしてそうかな。あいつは、黒い顔つき！ヤツだけじゃない、ゾードか、顔つきがこんなに。情けねえ、こんなゴミみてえな連中に倒されるとゾードもとんだハッタリ野郎だぜ。こいつも喋りやがるのか。喋るぜ、それに記憶もいい。逃げるんだヒーヨルン、逃げるんだっておめえら、いい叫び声してよ。気持ちよかったな、あの女の感触。サクラってな。お前だけは、お前だけは許さない。懐かしいよな、モナード。けどよ、効かないんだよな。シュルク、シュルク、てめえガキ、そんな生蔵でもモナード使いは邪魔だそうなんでよ。まあこの前みたいなこともある、さっくりと生かしてやるぜ。あいつを今だ、突っ込めイノシシ。ダンバーさん、なんでここに。待たせたな、ようやく追いついたぜ。Yeah!
とかなったね。次から次へとキリがねえ。増票はともかく、これだけの数の増度、一体どうすれば。モナドさえ聞けば、こんな奴ら気を抜くな。シュルク、シュルク危ねえ。ライン、なかなかやるじゃねえか。どこを見ている。くらえ。聞くかよ。めんどくせえ野郎だ。飛び道具が無理ならこいつでどうだ。弱え、弱えよな。ホムスの英雄様はその程度か。ダンバーさん、痛えだろ。痛えよな。無理してモナドなんか振るうからだぜ。その資格もなかったのによ。お前は無前だよ。お前ら虫キャラどもが必死こいてよ、どうすることもできねえのによ。光はまずい。お前たち逃げろ。逃がしちゃねえ。まとめて生かしてやるぜ。天使よ。今だ。ガキが、バカな。ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ。これがフィオルンが、陛下が受けた痛みだ。あ、今のはうぜんだよ。とんだ邪魔が入りやがった。ガキ、次はこうはいかんぜ。いや、そうか。待ちやがれ。オーナー、シュルク、ライン。なんでだ。フィオルンの仇なんだぜ、あいつ。今できることとできないことを見誤るな。はい、あれに救われたな。しかしあの生物は一体。